Bonjour à tous, c'est GLG. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo du samedi. Donc la vidéo du samedi est sponsorisée, bien évidemment, donc il faut que j'en parle. Cette vidéo est sponsorisée par Fancy Pro. Voilà, cette caméra, en fait, vous permet de filmer soit... En fait, c'est une caméra sur un axe, ça permet de vous filmer vous, ça permet de scanner le document, mais ça permet aussi de filmer par-dessus, qui est aujourd'hui très intéressant pour moi dans ma configuration, où je voulais absolument vous faire voir ce produit-là avec la casquette Copy Company. Et je me suis dit, putain, cette caméra, elle a un axe comme ça et tout, elle est plutôt bien. Et elle est quand même plutôt pratique. Vous allez pouvoir scanner des livres, vous en servir comme webcam, vous la mettez à l'avant, ça fait une webcam. Vous la mettez sur le dessus pour faire des photos, des scans, des documents, des choses comme ça. C'est un produit qui est plutôt intéressant et que vous trouverez, bien, sur ma review, sur GLG Review, bien évidemment, si vous voulez voir la review complète. Sinon, je mettrai un lien dans la description. Ce produit-là, bon, il y a 254 000, il était sur Indiegogo, ils ont eu complètement tout le financement, il n'y a pas eu de souci. Si vous voulez le prix, elle coûte 140 balles. Elle est pas chère, hein. Il y a une grosse promo là en ce moment et tout. Voilà, peut-être l'occasion de vous faire plaisir et comme moi de devenir youtubeur et de faire des vidéos de démonstration. Bim, allez, le produit qui nous intéresse aujourd'hui, c'est... Alors, s'il y en a qui connaissent la marque, alors c'est TP Company, normalement, qui fait des casquettes et des chapeaux avec des espèces de lunettes devant et tout. Et bien évidemment, ce design n'étant pas... Enfin, si, à mon avis, c'est déposé, mais bon, les Chinois sont très dans l'hommage en ce moment. Et j'aime bien vous proposer. On retrouve les à peu près le même genre à 5,52€ free shipping. Vous irez voir combien valent les vrais. Pour vous donner une idée, c'est aberrant. C'est vraiment le jour et la nuit. Alors le produit, il est livré comme ça, dans un petit sac, voilà, bien malheureux, encore une fois, comme on les aime. Le produit, alors sur le note, il y a marqué handmade. Alors, handmade, pour ceux qui ne savent pas, c'est fabriqué à la main. Alors au début, je me disais, c'est cousu de travers. Non, c'est imprimé, donc c'est pas possible que ce soit cousu de travers. Handmade, c'est, voilà. Ah oui, ils ont fait ça de travers pour dire que c'est handmade. Ils sont forts, c'est-à-dire que les mecs, ils impriment des trucs, ils disent on va imprimer de travers, et on va dire que c'est fait à la main, et comme ça, quand les gens ils vont dire « Ah, mais hein, c'est pas droit !» On va dire « C'est normal, c'est fait à la main !» Moi, je suis désolé, je trouve ça exceptionnel. Voilà. Bon, la casquette, elle est faite bon, comme une casquette normale, mais à l'arrière, bien évidemment, vous avez ces espèces de petites lunettes, ah ouais, ça se déclipse, voilà, qu'on peut après remettre à l'avant pour vous cacher, pour faire des lunettes de soleil. Mais je suis pas convaincu que ça soit... On peut voir à travers ou pas? Ah ouais. Hein, on voit à travers pour de vrai. D'accord. Bon, bah écoute, voilà. T'as compris le principe? Voilà. Des lunettes comme ça, nanana. Je vais la porter tout de suite. On va passer en mode essayage. Ça sera plus explicite pour vous comme pour moi. Tchou! Bon, alors oui, le problème, c'est qu'on peut pas régler la casquette. C'est nul. Voilà. Et ouais, c'est taille unique. Ouais, pour les grosses têtes, c'est mort. Bon, là, ça va. En forçant un peu, le cuir va se faire. Bon, à l'endroit, casquette normale. Ok. Ensuite, on tourne la casquette. Voilà. Et on la met comme ça. Alors, le problème, c'est... Il y a des fils qui pendent. J'ai enlevé ça. Le problème, c'est qu'il y a des fils qui pendent. Voilà, ça c'est bon. Et que les lunettes sont là. C'est ça qui me gêne. C'est ça à l'avant. Alors attention. si tu crois que t'es pas prêt. Alors tu mets comme ça. Hop là. Et après, tu les descends comme ça. Et. Fous ta cagoule. Hein. Alors bon, c'est pas. On voit pas super bien à travers. Eh, mais ça avec un masque à l'époque, tu sais, où il fallait porter des masques. Il y a eu une période là. Je ne suis pas si jeune que ça. Enfin, tout le monde avait des masques. Il y a un moment, il fallait rester tout le monde à la maison. Et quand tu pouvais sortir, tout le monde... Eh, regarde, avec le truc... Alors, le problème, c'est que c'est branlant, mais ça fait un truc... Eh, ça fait un look d'enfer. Alors voilà, c'est GLG, bonjour à tous, et bienvenue sur cette vidéo. C'est très intéressant. Et là, forcément, eh oui, la casquette, elle va beaucoup mieux, là. Eh oui, là, elle est beaucoup plus grande, tu vois. Et si... Ah ouais, mais là, je peux pas... Attends, on va essayer de le remettre comme ça. On va peut-être pas mettre les scratchs, tu vois. Ah ouais, voilà, ça. Faut pas mettre les points... Il y en a qui ont la ref ou pas? Dans le chat. Il y en a, les moins de 20 ans peuvent pas connaître. Pourtant, c'est un classique. Bon, je trouve ça très intéressant. Et ça, avec un masque, toi, un truc comme ça, là. Incognito, tu peux braquer les banques. Hein. Avant, personne ne voulait que tu mettes de masque, et maintenant, tu as le droit. Voilà. Bon, là, le produit, il est intéressant, dans le genre comme ça. Alors après, est-ce qu'on peut clipser? Ouais, c'est ça. En fait, c'est quand, pour les grosses têtes, à partir du moment où tu le clipses ici, là, et que les lunettes sont incurvées vers l'intérieur, forcément, elle est un peu plus petite. Mais elle commence à s'y faire un peu, là. Cagoule. Fous ta cagoule. Fous ta cagoule. Oui, mais c'est la mode, hein. Écoutez, je suis désolé. Voilà, là, regarde, comme ça. Et après, t'enlèves le truc. Voilà. Et après, tu mets les lunettes, par-dessus les lunettes. Là, je vois plus rien. Il y a un mode comme ça, où ils prennent l'Insta 360. C'est dans la bouche.
puis ils font un mode un peu comme ça. Ben moi j'ai un déjà, je suis partenaire à Insta 360, je l'ai. Et ensuite voilà, foot à cagoule. Bon, vous me bon, après voilà, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de la porter comme ça. Je sais que tout le monde se fout de ma gueule dans le chat, mais c'était un peu le but. Mais voilà, encore une fois, c'est la mode, c'est fashion. Et là, on parle de 5,52€. Je vous mettrai le lien, comme toujours, dans la description. Est-ce que c'est le genre de produit? Je sais que la routine, il a testé, lui, le bonnet, comme ça. Et tout. Putain, il y a plein de fils et tout, c'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment fait par des Chinois. Hein. Ça, t'es trop jeune, petits enfants de 8 ans, là. Ça coupe pas super bien. Bon... il y a encore un câble et tout, voilà. Bon, putain, je peux arriver à l'enlever. Bon, voilà, bon, vous avez compris un peu le principe du délire du truc. Comme ça, c'est pas mal. Non, c'est nul. Bon, dans tous les cas, vous me direz en commentaire, je vais remettre ma casquette normale. Voilà, vous pouvez la mettre comme ça, voilà, voilà la casquette normale, elle est bien. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce produit-là. Bon, pour 5,50€, sauf si vous avez une grosse tête comme moi, et comme la routine, et voilà, ça rentrera pas. Mais sinon, en fait, le produit, il est plutôt sympa, il est handmade. Voilà, fait par un petit enfant chinois. Voilà. C'est faux, je sais, j'étais en Chine, j'ai vu les usines, c'est une vieille légende urbaine. Ah, quand tu déclipses, ça va mieux, voilà. Bon, je vais lire les commentaires, je pense que tout le monde va se foutre de ma gueule. Vous me direz ce que vous avez pensé de ce produit-là. Moi, je trouve que pour 5,50€, si vous aimez un peu le style Copy Company comme ça, la plaisanterie ou pas, ça fait un peu Ruskoff et tout. Non, voilà, c'est intéressant. Allez, vous mettez un commentaire. Moi, je donne rendez-vous dimanche pour ceux qui ont regardé cette vidéo-là. Ça, samedi, je voudrais. On donnera rendez-vous dimanche pour l'enregistrement des 3 prochains, ou peut-être 2, on verra, 2 ou 3 prochains jeux test. On parlera des panneaux solaires, de la prochaine installation. Là, je vais revenir sur l'installation dont on a parlé dimanche dernier avec les panneaux solaires 3000 watts et l'inverteur Huawei. Et puis après, voilà, demain, on parlera des coflots et après, on verra des solutions. On va faire plein de bricoles, tout ça. Et comme je suis habilité, j'ai un BEP électrotechnique, mon pote, je peux dire, je suis habilité à toucher la haute tension puisque j'ai passé l'examen. Ils m'ont fait mettre des gants en silicone, les bottes et tout. Je peux mettre les mains dans le cambouis. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.